Jusqu'à quelle heure? C'est bien cadré. Ça tourne, t'es bien. Alternance. Encadré avec un peu d'autonomie. Je suis bordélique, mais j'essaie d'être organisé. On peut être les deux, donc studio et un peu fait tard. Sortir et réviser le dimanche. Écouter et après prendre la parole. Se dépasser, dépasser les autres, on s'en fout. Face à face. Mail, c'est quand même mieux, au moins j'ai le temps d'écrire et de réfléchir à ce que je vais dire, donc mail. Netflix. J'ai plein de notes sur mon ordi que je lis pas, c'est mieux sur le papier, au moins je peux rayer ce que j'ai. Ah, CV. Équipe, c'est compliqué, ça dépend des membres, mais équipe, c'est mieux au moins, on peut échanger. Par dansant. Avant, j'avais plein de mails pas ouverts, mais là, je suis obligé avec l'entreprise. J'ai plein de dossiers qui sont bien rangés, mais mon bureau est à temps d'être rangé. À la dernière minute, c'est mieux. Enfin, je travaille mieux sous pression. Préparer, c'est quand même pas mal. Porte à porte, comme ça que j'ai décroché mon stage et mon alternance. Tinder fut un temps, mais là, Uber, c'est mieux pour rentrer de soirée. Ah, c'est la galère de se faire manger du coup, ticket resto. YouTube, forcément. Vie réelle. Job board. Il y a des collègues derrière la caméra du coup. Les deux. Google Agenda. Avoir son appart c'est bien, mais ma maman va regarder cette vidéo donc. Les deux. Ah, présentation orale. Vidéo écrite si je peux, parce qu'au moins je galère moins pour le montage, c'est plus simple. Ah, études supérieures, c'est mon bac plus 2, c'était je vivais ma meilleure vie du coup, je suis super. Alternance. Cocktail, mojito. Avec Alex, c'est bien comme ça, on sort du cadre du travail, on parle d'autre chose, ça libère, c'est pas mal. Je vais dire la phrase bateau, faire de sa passion son travail. Merci.